On se retrouve pour la troisième course du programme, le prix Bar-le-Duc. J'aime beaucoup Eric The Hill. Dernièrement, il a couru quand même dans la qualif pour le prix d'Amérique où il a fini 8e. Mais voilà, il n'était pas ridicule. Là, Lolo est quand même beaucoup plus à son avantage. Je pense qu'il a les moyens de faire une très bonne course. Mon outsider, c'est Hippopofor. Enfin, il a retrouvé son mordant. Il a super bien terminé dernièrement en gagnant sa course. On avait besoin d'être rassuré et c'est chose faite. Maintenant, il faut qu'il continue sur sa lancée. Mais c'est un top cheval. Mais voilà, dans cette course-là, je pense que Eric The Hill et Hippopofor peuvent se lutter pour la victoire.